Salut à tous, c'est Zidak. Dans cette vidéo, on va aller voir les bonus, les promotions et tout ce qu'on a actuellement de nouveau cette semaine sur GTA 5 Online. Donc c'est parti, let's go. Alors, on commence du coup par le véhicule de la roue de la chance. Donc c'est la Entity. Voilà, donc elle est là, Entity XF. Très très beau véhicule que j'ai déjà. On va essayer pourquoi pas de l'avoir sur la roue de la chance, ça peut être sympa. Donc c'est une nouvelle semaine spéciale import-export, hein, pour ceux qui se demandent. Donc c'est le moment plus ou moins de vendre et d'acheter les véhicules. Donc on va une fois regarder ça, la roue de la chance, en espérant avoir quelque chose de bien. Peut-être un mystère, peut-être quelque chose, ça peut être sympa. On aura quoi? Des dollars. Ok, bon, 40 000 dollars. Ok, ça marche. Donc déjà, alors, terminer n'importe quelle mission de vente de trafic de véhicules d'ici le 23 juin pour emporter le double de GTA dollars et RP que d'habitude. Donc ça c'est déjà bien. Ensuite, on a, si on vole 5 véhicules dans les missions de vol de trafic de véhicules, au cours des deux prochaines semaines, on recevra un bonus de 250 000 dollars. Donc ça, c'est cool aussi. Et on double la mise si on rapporte au moins 10 véhicules. Donc quasiment un demi-million de dollars. Alors ensuite, on a GTA et RP triplé dans Extraction. On a GTA et RP doublé dans les missions et les défis de gros bonnet et de PDG. En se connectant à GTA Online au cours des deux prochaines semaines, on peut obtenir ce t-shirt là. Donc on a pas mal de promotions. Ici on a la Karine 190Z, elle est à 180 000 euros. Ensuite ici on a la Debussy Seven à 417 000. On a la Pfister 811 à 681 000. On a la Grotti Bestia GTS à 122 000. On a ici la Stirling GT 585 000. Ensuite ici on a le Volatus à 1 491 750 et le Nimbus qui est à 760 000. Donc ici on a le B11 Strike Force sur le site Warstock qui est à 2 470 000. On a aussi 70% sur le Buckingham Valkyrie et 80% sur la Dinka Sugoi. Ça c'est pour les avantages Prime Gaming. Uniquement les personnes qui ont Prime Gaming pourront recevoir justement cet avantage là. Pour les avantages Prime Gaming, je vous ai fait une vidéo pour savoir comment on les récupère. Maintenant ça a changé et c'est plus 200 000 dollars qu'on reçoit, c'est 100 000. Donc ça a un petit peu baissé, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà un petit peu pour toutes les nouveautés, tout ce qu'on a actuellement de nouveau sur GTA 5 Online. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Moi franchement, je trouve qu'on a des choses plutôt intéressantes. C'est notamment l'occasion de faire cette semaine de l'import-export. Parce qu'en vendant justement et en récupérant les différents véhicules, on peut gagner le double. Et on peut gagner un bonus jusqu'à 500 000 dollars en tout simplement ramenant plus de 10 véhicules. Donc ça fait super plaisir, vraiment sur deux semaines, c'est largement faisable d'avoir 500 000 dollars en bonus en plus de l'argent que vous allez récolter quand vous allez vendre. Donc import-export, si vous ne savez pas un peu comment ça marche, je vous ai fait une vidéo explicative pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vous la mets en haut dans le petit i en haut à droite de l'écran. C'est une vidéo vraiment consacrée à ça qui vous explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et justement comment ça marche. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à bombarder cette vidéo de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.